Un, deux, oui. Eh bien, bonjour. Peut-être faire signe aux gens qui sont intéressés de se joindre pour éviter que des présentations soient interrompues. D'abord, je voudrais remercier le comité organisateur d'avoir pensé à moi pour modérer cette session. Je suis un modérateur qui n'est pas tout à fait modéré, donc je vais essayer de me modérer moi-même. C'est une session qui est... intéressante, bien sûr, pour moi, parce que je m'intéresse beaucoup à la recherche-création, mais telle qu'elle est faite dans ses rapports avec l'université. Et on a trois présentations qui portent sur ce sujet-là. Donc, sans plus tarder, parce que je ne voudrais pas empiéter sur la période du dîner et puis que tout le reste de la journée soit perturbé. Donc, notre première présentation... est une présentation de Mme Alison Light qui porte le titre de Synarthesis, An Experiment in Interchronological and Transhistorical Teaching and Research. Mme Light, attendez, je vais trouver sa biographie. Attention, Madame Light et Dr. Light is currently the postdoctoral fellow in art history at the Cooper Union for the Advancement of Science and Art in New York. She is working in her first book, good luck, an interdisciplinary and transcultural studies of modernity. What a program, which focuses on the role of boredom, wow, and malaise in men's life during the 19th century. She received a BA in art history and Russian studies from American University in Washington, D.C., and completed a PhD in art history at Rutgers University, where she also served as a curatorial a fellow in the Department of Russian and Soviet Art at the Zimmerli Art Museum. She formerly taught in the Department of Art and Design at Montclair State University, as well as in the Department of Art History at Rutgers. Her primary research interests include the history of the 19th century European art and the nexus of art theory in the intellectual history of the modern era. So, I'll give you la parole. Merci. That was a beautiful introduction, much appreciated. And thank you to the organizers. Cécile is somewhere. It's been a real pleasure coming up to Montreal to talk about my latest research and pedagogical undertaking. So, without further ado, we like to tell ourselves stories about the world and about its past. But history is the story, the collective notions we share about earlier times, what and who matters from the centuries gone by, and the meanings we might glean from all of this data. The word itself came into English via Latin from the original Greek for a learned judge or a wise man, a histor, whose wisdom allowed him to make sense of things for all of us. This idea of the histor is etymologically linked to its great Proto-Indo-European ancestor, the vidtor, which is derived from the root vid, to know, or literally, to see. Thus, the original agent of history was someone who knew based on seeing. The linkage between history and sight lies at the very heart of the word's deepest meaning. Knowing and seeing, or seeing as knowing, these are the very foundations of history. And I think understanding this might help us recognize something about the project of art history, about the way images and their histories constitute an endeavor for meaning-making unto themselves. I begin with this introduction to foreground what it is one thinks they do when they say they are a historian like I am, and to highlight a particular aspect of the production of histories when we speak about art history as a discipline unto itself. Are historians still on some level wise men and women learning by inquiry?
are we still in touch with this idea of seeing as knowing? We are certainly in the business of records and narratives, but when it comes to images in particular, it seems to be the story element over seeing per se which has become most central to history, perhaps to its deep detriment. Anyone who has taught a broad survey class in art history knows that in many ways, what they are doing is telling a very long story over the course of a semester, or, if one is lucky, perhaps an entire year. It is a story about the flow of styles and movements, about how political and social events affected art-making techniques and subjects to various degrees at different moments, about how one artist or group of artists influenced another. It isn't a story with a prologue, climax, and denouement per se, though one can certainly see a virulent strain of proto-modernist agendas which pit the entire history of art towards the climax of abstraction in the 20th century. But it does have a certain set structure and flow, with rises and falls oriented towards some of our longest standing buzzwords and notions, geniuses, rebirths, avant-gardes. The pedagogical research approach I am developing provides an alternative to this system of taxonomies and the traditional linear narrative of art history, one that operates at the methodological level to undo the story-like aspect which is so central to conventional historical practice. I call this kind of transhistorical or philosophically grounded method of analysis synartesis, a word based on the idea of fastening or knitting together to produce close union even among very disparate kinds of knowledge and materials. I'm indebted to a colleague of mine at the Cooper Union, Professor Dory Ashton, for this quite singular word. For several decades, Dory taught a course called just synartesis, the only description of which was, as you're seeing here, a recurring seminar with a changing focus taught by Professor Dory Ashton. I guess when you get to that level of fame as a critic in New York, you can teach courses like that. When I was asked on my second day as a postdoctoral fellow last year to step in and take over this monumental course for Dory, I decided I not only had to figure out what this word meant to me, but create a class that grew out of my desire to teach in such a way that it would be as forward-thinking as the professor who invented it, despite there being no definition of this word in place. So I began with the idea that, and I think this is well known, I'm going to try to illustrate it in a small way. Art objects, here's an example, Malevich's Black Square, they hold a very special place in the historical order because of their unique ability to exist both in and out of the time of their making. Synartesis capitalizes on artwork's singular relationship to time in this regard to grow space for new interpretive work that seeks to fold or collapse time. Drawing on what has often pejoratively been referred to as anachronistic, ahistorical, or the worst of them all, philosophical art history, synartesis explores new potential for understanding works of art outside our usual bounds of chronological isms. It does this, as I've conceived it so far, through three primary modes of comparison. The first, intermedial, compares works across media. For instance, and I'm showing you a series of examples to try to illustrate this, a 20th century feminist performance piece with an Italian Renaissance fresco, with a neoclassical oil painting, all drawing out the theme of human connection across these ages. Intermedial synartetic comparisons might also work through the intersection of the pop culture visual realm, and there are many examples I could give you for this, and the arts. For instance, as here, a common game you find on things like cereal boxes and in newspapers, and I think more recently in bars, conflated with multiple versions of a Renaissance panel painting by none other than Leonardo. Or how about this, an intermedial comparison that mixes music with art. I've done this in some of my classes.
for instance, a 21st century pop song like this amazing piece, which I wish I could play for you, but time limits me, by the White Stripes, played while looking for a long extended period of time at something like David's Marat at his last breath. I could give another example that students have been working on recently, which would be they've been going to the Museum of Modern Art and looking at Pollock's in person while listening to heavy metal on their iPods. All of this, perhaps, to bring to life the violence and terror of the French Revolution, or in the instance of Pollock, to illustrate something about post-World War I longing and dystopia. These examples are also, at the very same time, demonstrating what I think is a second mode that Synartesis could take, that of cross-cultural analysis, wildly so. This puts into play works which come from different times, widely different times, and cultures to draw out certain, I think, long resonant themes in art making, and there are any number of themes you could perform this on. In teaching, I have experimented with a number of these different themes that the students requested. In this case, I paired scientific photographs of human anatomy, these are the suture marks in the human skull, with an Italian Renaissance portrait sutured together around iconographical markers, with a Soviet constructivist sculpture based on tensegrity, and then a German photo montage, which is sutured together literally from various photographs. All of these to explore at a deep level the operation of artworks built around the tension inherent in suture. I've also constructed experimental synartesis lectures around the themes of, and I know this is rather a barrage here, melancholy, ugliness, and the uncanny, to name a few. Wildly cross-cultural comparative work of this kind, I think, has the potential to expand our canon as art historians immensely outside the usual realm of Western Europe and to work along the lines of theories already present in the humanities, such as those concerning the work done in global modernism theory. In my conceptualization thus far, synartetic approaches might also be, and this is thirdly, just purely interchronological, based around mostly formal resonances that lie outside the bounds of the usual temporal analyses. And I'm giving you again the work by David of Marat from 1793 compared in terms of formal relationships to Mark Rothko's Green and Maroon from 1953. This would also be the sector that would include work seeking to analyze, for example, the phenomenon of what I call, and I realize this is just for lack of a better word, versionism. Sorry, I went too far. Painters who reproduce versions or permutations of famous artworks for a thriving market of international internet buyers who want art for their homes, many of these coming from places like China and Japan, sweatshops for painting. A student of mine last year in this Synartesis course worked to analyze the differences in these paintings across broad samples she took of permutations of work like Gauguin. She used a post-colonialist lens, and I have to say, to stunning effect. I know of no other place in our discipline where analyses like these might grow and take intellectual shape. Thus, I propose synartesis as a kind of umbrella methodological term for what I think they are all seeking, the joining together to produce union among disparate media forms, times, and cultures. In many ways, this kind of synartetic thinking already exists within visual culture and in the museum world at large. In terms of the latter, I'm showing you here observations I've made of a growing tendency to construct what are inherently interchronological, formally driven comparisons of artworks to attract the general public to museums. On a larger level, I see this as reflecting an aspect of visual culture present in our postmodern internet age. Synartetic thinking about images and their histories occurs on a daily basis via the random pairings produced by web searches, on personal blogs, and on social media sites like Facebook and Instagram. In the digital realm, it is not uncommon to encounter a hodgepodge of source mixing and visual interpolation. Thus, what I've found is that students are ready in many ways to do synartetic thinking in the classroom when they arrive, but they come to the discipline to find there is absolutely no room for this kind of perceived ahistorical thinking.
It is time for us to offer them the space to operate outside the bounds of chronology and experiment with how interchronological comparisons might allow us to develop new understanding of both artworks and their beholders. There is a subversive body of literature that already exists within our field to support this work. Fairly early in the 20th century, Walter Benjamin developed his conception of historical materialism, in which he sought to put in play an experience of history original to every new present, thereby shattering the continuum of history. His Arcades project was an example of this kind of dialogical history. In it, he arranged cultural artifacts so that he could begin discerning certain constellations. More recently, scholars like Mika Ball and George D.D. Uberman have provided further models for the synartetic approach, one that embraces a subjective and cross-hybridizing style of prose to develop art historical analyses which go against periodization and possess a sense of play that is both illuminating and refreshing. Similarly, Alexander Nagel and Christopher Wood have written with great poise and depth about the usefulness of anachronism in understanding pre-modern art. But let me assure you when I say that these are exceptions and that their writing is still very controversial in the field of art history, at least in America. All of the work that has been done in this vein, and synartesis as the methodology I am seeking to contain them, possess the potential for deeply rethinking what it means to be an agent of history, one that might allow for a more personal relationship to the past as it intersects with the constantly unfolding future. For unless art history finds a way to bring a renewed sense of relevancy to the field by incorporating the kind of transhistorical analyses I have proposed, I think it's in serious danger of becoming obsolescent, or worse, superfluous to life in the new millennium. The field of art history has long suffered under the weight of criticism that it is an elitist discourse. This position is unwittingly upheld by many members of the field who staunchly disavow the interpretations of average museum goers when they bring knowledge of the contemporary world to build on the artworks from the distant past. These scholars claim the general public has nothing to contribute to the bodies of knowledge that those of us who have spent decades developing our expertise possess. To them I say, you are wrong. I have seen students light up when they are allowed to bring their 21st century experiences to bear on understanding works from centuries past. The personal is relevant. Anachronism has legitimate uses. And if we want art history to survive, we must make these admissions and find scholarly praxis that incorporates them. Let me be absolutely clear in bringing this to a close about this one thing. Opening a space for synartesis does not equate to ridding ourselves entirely of the old ways. I still firmly believe that there is a place for the mode of analysis and teaching which has served us so well for all these years. But I feel a yearning on the part of my students and in my own writing to continue pushing the methodological and interpretive bounds of what images and their histories can do. We need modes of art history that are active, that live amongst the technological advances that are the core of the 21st century and that lies at the heart of this conference. Despite all the new methodologies and all that they have given us, we are still not pushing far enough. We are not finding ways to be inclusive enough, not internalizing the advances of the digital age enough. Something happens, I think, when we stop telling the same stories about the past, when we begin to look at the objects that comprise art's history like a constellation, when we perceive that we can reach out to the past, play with it, treating history like a machine that works certainly as it is, but one that might do other things, perhaps better things, if we take it apart. Images are the lifeblood, the motor of art history, but history as a way of knowing, based on seeing, to return to where I began, it might understand more. A history based on time unfolding, on progression, will always be inherently limited. Synartesis offers a way of rethinking how we understand the visual arts, and it provides one possible answer to how we might bring a renewed sense of relevance to art and its history in the present. Thank you.
Merci beaucoup pour cette rafraîchissante présentation. Notre deuxième présentatrice, Madame Lucie Haute, est plasticienne, docteur en arts plastiques, chercheur associé au NSAD Lab, École nationale supérieure des arts décoratifs, et ALTER en design à l'Université de Valenciennes. Sa thèse, intitulée « Performance dans les environnements mixtes, actualisation de l'espace programmé », porte sur les rapports entre les formes éphémères, leur cadre de surgissement et leur documentation. Selon une méthodologie de recherche-création, cette recherche aborde également les formes possibles d'une fiction à l'écran, tablette et liseuse, et rejoint des questionnements de design relativement à la conception des conditions de lecture, interface, meubles et environnement. La présentation de Mme Haute ce matin est intitulée « Recherche-création dans les écoles d'art et institutions françaises ». Madame Haute, je vous donne la parole. Merci. La question que je me propose d'aborder aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qu'un doctorat en art et où peut-il être mené ? Vaste question, on n'en fera pas le tour en 15 minutes, bien évidemment. Voici 40 ans furent créés les départements d'art plastique dans les universités françaises. Cela ouvrait un espace pour une spécificité méthodologique distincte des sciences de l'art, de l'histoire de l'art ou de l'esthétique, et qui revendiquait une recherche par et pour la pratique. De 1998 à 2010 en Europe, le processus de Bologne a uniformisé l'espace de l'enseignement supérieur, notamment à travers la réforme licence master doctorat, dite LMD. Dans ce contexte, certaines écoles d'art ont mis en place des cycles de recherche en art et en design, alors non diplômants, mais gratifiés d'une attestation d'école. Cette cartographie réalisée par Campus France rencontre des spécificités des différentes écoles supérieures d'art et design public. L'ENSAD à laquelle je suis rattachée y est mentionnée et son cycle de recherche y est mentionné également. L'évolution des noms de cette école, l'ENSAD, ainsi que des différentes étapes structurantes et des différents diplômes qui y ont été délivrés au cours des âges, nous renseigne aussi sur ce positionnement vis-à-vis du troisième cycle. L'École nationale supérieure des arts décoratifs a initié son laboratoire de recherche ENSAD Lab en 2007, qui réunit des étudiants justifiant d'un niveau Bac plus 5, dont certains sont inscrits en doctorat au sein d'une université. Depuis sa création, ENSAD Lab s'est reconfiguré à plusieurs reprises afin de répondre d'une part à l'exigence de la communauté scientifique du domaine et d'autre part à l'environnement académique et institutionnel, désormais financé par projet pour des durées allant de 1 à 3 ans et plus rarement 5 ans. Ce sont des financements par projet européen, par l'Agence nationale de la recherche ou par des laboratoires d'excellence. À partir d'une posture immersive réflexive, je me propose aujourd'hui d'aborder les mutations des cadres institutionnels de la recherche en art et d'étudier ce qu'ils produisent. La discipline dont je suis issue, les arts plastiques, porte une spécificité visant à mener conjointement théorie et pratique, à nourrir l'une par l'autre. Elle se distingue en ceci de l'esthétique et des sciences de l'art, ainsi que de l'histoire de l'art, qui étudie des objets préexistants. La recherche en art plastique se structure autour d'une problématique spécifique, ancrée dans la pratique. Cette posture est fondée sur le postulat que la création ne peut s'effectuer sans une réflexivité, amenant le créateur à positionner son projet vis-à-vis de l'existant. Elle pose aussi la question de la distance possible du créateur vis-à-vis de son objet. En tant que plasticienne et chercheur, il s'agit d'adopter une position phénoménologique, oscillant entre une implication personnelle nécessaire à la création et une distance réflexive. La même posture appliquée au cadre de la thèse amène à étudier le jeu de poupées russes institutionnelles permettant à cette chose-là d'être produite. La question est réversible. Qu'est-ce qui a lieu à l'intérieur du cadre et comment concevoir le cadre pour que cette chose-là ait lieu en son sein ? En France,
C'est en 1968 qu'a été créée la première structure universitaire consacrée à l'enseignement des arts plastiques. La fondation du département arts plastiques et sciences de l'art d'une université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fut suivie 2 ans plus tard par le premier diplôme national d'arts plastiques. L'université se donnait alors pour objet de former et d'étudier le faire par le faire, praxis et poiesis. Bernard Técèdre a été l'un des acteurs principaux de ce déplacement du cadre universitaire. Il s'est notamment efforcé de confier l'enseignement des arts plastiques à des plasticiens. Faute de postes qui n'existaient pas, les artistes, tels que Michel Journiac, Henri Cueco ou Lydia Clark, ont accepté d'enseigner pour des rétributions modestes, voire inexistantes. Ce tour de force a dû faire face à de grandes réticences, car nombre des professeurs envisageaient difficilement d'avoir pour collègue un artiste qui n'aurait pas suivi un cursus universitaire. Ces réticences sont encore d'actualité, comme en témoignent les échanges menés avec les membres de la New York University l'an dernier, en décembre, à l'occasion d'un workshop consacré à la question institutionnelle de la recherche en art. Pendant la session dédiée aux critères d'évaluation, tant du candidat au doctorat que d'un candidat à un poste d'enseignant-chercheur, Ulrich Baer, vice-doyen de la faculté Art and Humanities and Diversity, demandait « Puisque la mesure de l'excellence des universités est faite par les facultés, se pose alors la question de savoir comment évaluer un artiste pour le recruter. Cette question se pose du fait que la grille classique des diplômes n'est pas opérante ici. Les artistes ne peuvent être évalués selon ces critères. » Suzanne Woolford, doyenne de la Gallatin School, indique à son tour « L'excellence artistique ne suffit pas. Nous regardons quel est le plus haut diplôme atteint, le Master of Fine Art ou le PhD. Dans plusieurs institutions, le Master of Fine Art est le plus haut degré. Les lieux où les performances et les expositions ont été réalisées importent. Mais un haut niveau institutionnel est indispensable pour répondre aux exigences des enseignements requises. Il y a des exceptions dans le domaine des arts visuels ou de la peinture, mais il s'agit bien d'exceptions, et ce n'est pas le cas dans d'autres domaines artistiques. En somme, indiquait Gabrielle Starr, la doyenne du College of Art and Science de la New York University, la question des critères est prégnante lorsqu'un artiste doit discuter avec un philosophe, c'est-à-dire dans toutes les situations d'interdisciplinarité. Cette question est encore visible aujourd'hui dans la nomenclature des statuts des membres d'un jury de thèse, par exemple, quid du rapporteur ou de l'expert. Malgré l'institutionnalisation des cursus artistiques, la figure de l'artiste-chercheur ou de l'enseignant-chercheur-artiste est restée problématique. Le statut d'équilibriste inhérent à cette posture se reflète notamment dans les grilles d'évaluation des laboratoires. Dans la grille utilisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en France à nouveau, une seule ligne permet de recenser les pratiques artistiques théorisées, sans distinction entre les compositions musicales, cinématographiques, expositions, installations, etc. Sans distinction non plus des contextes de présentation de l'œuvre, contextes qui sont par ailleurs évalués selon des critères très fins, en particulier pour les publications d'ouvrages et d'articles, ou pour les conférences. Quid des expositions, des démos et des performances. On voit ici que l'institution peine à rattraper les pratiques en cours. Malgré quelques ouvertures en ce sens, les organismes d'évaluation rencontrent des difficultés à reconnaître et valoriser les formes de publicisation alternatives aux standards académiques. Pourtant, des chercheurs appellent de leur vœu une reconnaissance et une valorisation de la diversité des formes de rencontre du public. Citons notamment l'article de Samuel Bianchini dans le prochain numéro de Média N, qui va être présenté ici même vendredi midi, si je ne m'abuse. Pour la recherche en art, la connaissance est pratique et doit pouvoir être incarnée, véhiculée, publiée selon des modalités qui ne peuvent répondre uniquement aux normes des publications académiques. La publication doit être comprise dans son sens le plus fondamental, rendre public,
et permettre ainsi un large éventail de modalités de rendu public. Les arts n'étant pas dépourvus de moyens quant aux multiples façons de rendre public, à commencer par l'exposition. Repenser les formes de la publication, publicisation, est fondamental et stratégique pour envisager le développement de la recherche en art et ses impacts sociétaux, voire politiques. Fin de citation. De tels critères sont inventés à la fois pour permettre des échanges interdisciplinaires, ce que soulignait Gabriel Starr, que pour établir, au sein d'une discipline, des repères à destination des jeunes chercheurs et doctorants. Pour en venir au doctorat, donc, qu'est-ce qu'une thèse en art plastique ? Le doctorat en art semble toujours se heurter à la posture duelle énoncée par Marcel Duchamp dans Le processus créatif, à savoir que l'artiste, le créateur, ne saurait être capable d'expliciter le cheminement de sa démarche créatrice. Outre le fait que, d'une part, le doctorat en art existe depuis maintenant 40 ans, sans compter les écrits d'artistes fortement théorisés qui ne répondaient pas à cet exercice académique, et que, d'autre part, cette pensée est malheureusement entretenue par certains critiques et artistes, il semblerait que tout doctorant en art ait à se positionner face à elle et à apporter sa réponse à la question de savoir ce que c'est qu'une thèse en art. Dans le domaine des thèses associées à une pratique artistique, Victor Bergin, professeur au Goldsmiths College of London, propose une typologie des thèses en art. Il y aurait d'une part un doctorat à option histoire et théorie, qui pourrait être rapproché des actuels doctorats en sciences de l'art, tels que menés par les personnes qui ont une sensibilité, un regard, une pratique, et qui choisissent de travailler sur un objet distinct de celle-ci, sur un corpus d'œuvres dont ils ne sont pas auteurs. Ce sont des doctorats distincts des disciplines telles que l'esthétique ou l'histoire de l'art, en ce qu'ils sont menés par des personnes ayant une véritable connaissance pratique des choses qu'ils sont en train de théoriser. Ce qui fait la force de ce type de texte est une connaissance de l'intérieur, du point de vue de celui qui fait, et qui enrichit, informe, nourrit le travail de théorisation. L'enjeu étant ici d'adopter le point de vue du faiseur et de ne pas considérer une œuvre comme l'illustration d'un concept. Il y aurait d'autre part un doctorat à option pratique, où il s'agirait de parler en plasticien, d'expliciter les liens entre les concepts produits par les faiseurs et les concepts, philosophes, esthéticiens, sociologues et autres sciences humaines et sociales. Un ancrage historique, une pratique forte. Celui-ci pourrait être rapproché de l'actuel doctorat en art plastique. Le troisième doctorat dans la typologie de Bergin est nommé tout simplement doctorat en art. C'est un doctorat qui produit des formes sans chercher à produire le texte qui doit accompagner les formes. C'est un doctorat qui produit des percepts plutôt que des concepts. En cela, le diplôme de niveau Bac plus 8 se distingue clairement du doctorat universitaire. Mais est-ce là le modèle vers lequel se dirigent les futurs docteurs des écoles d'art ? Pour revenir à la thèse en art plastique à l'université, elle répond à une problématique spécifique ancrée dans la pratique. Elle s'adresse à une communauté de pairs et répond, pour sa forme, à un standard académique. Si les soutenances de thèses en art plastique ont parfois lieu au sein d'une exposition des travaux du défenseur, c'est l'écrit qui reste central. Il s'agit d'un important volume de textes structurés et normalisés selon des critères formels et scientifiques. Le consensus est d'environ 150 000 mots, répartis en quelques 350 à 500 pages, iconographie comprise, quoique chaque directeur de thèse puisse adapter ses critères. Les consignes de mise en forme varient d'une université à l'autre et le directeur de thèse peut également y interférer. Le doctorat en art plastique à l'université défend une spécificité méthodologique, itérative, mi-immersive, mi-réflexive, aux périodes de production en atelier, quelle que soit la forme de cet atelier, et au rapport de soi à la création, succèdent des étapes de mise à l'épreuve des regards extérieurs, de confrontation à un corpus référentiel artistique et théorique, d'analyse, d'adaptation, puis enfin un nouveau cycle. Il s'agit de répéter et adapter les interprétations plastiques autour d'une problématique scientifique ancrée dans la pratique. La pratique elle-même est problématisée, et jamais illustrative d'un concept. Elle est traitée dans les productions mêmes, à travers des intuitions plastiques,
et c'est cela qu'il s'agit d'expliciter, de mettre en mots dans la thèse, notamment en donnant une large place à la description. Il s'agit de rendre compte d'un processus, de prendre position vis-à-vis d'une problématique, de rendre compte également de ce qui, parmi les hypothèses développées, ne marche pas. Cette spécificité méthodologique est hélas en passe de disparaître dans certains départements d'art plastique en université. Depuis que des théoriciens issus de disciplines connexes, telles que l'esthétique, les sciences de l'art et l'histoire de l'art, y deviennent majoritaires et défendent d'autres approches. C'est peut-être cela le glissement institutionnel en cours, le déplacement du cadre permettant à un doctorant de mener une thèse par la pratique. Ce cadre se déplace depuis l'université vers les écoles d'art. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui m'a l'air de bien synthétiser l'ensemble des questions, problèmes que l'enseignement de la recherche-création à l'université pose. J'espère qu'on aura quand même, malgré les estomacs qui sont un peu vides, l'occasion de discuter quelques minutes après la dernière présentation. Et cette dernière présentation, cette dernière présentation est celle de Chantal Provost. Chantal Provost est doctorante en études et pratiques des arts à l'UQAM, programme dans lequel j'interviens en méthodologie. Dans le cadre de sa recherche doctorale, elle s'intéresse à la recherche-création et au contexte socio-historique de ce type de recherche en milieu universitaire. Ses travaux portent également sur les pratiques des chercheurs-créateurs et vise à mieux comprendre certaines caractéristiques de la recherche-création, notamment ses modes de production et de diffusion, ses formes de présentation et son évaluation. Titulaire d'une maîtrise en histoire et professionnelle de recherche au Cégep Saint-Laurent, elle mène également des travaux de recherche en éducation et en médiation culturelle. Elle est membre de différents groupes de recherche et de réseaux d'artistes, dont le groupe de recherche en médiation culturelle, je vous fais grâce de l'acronyme, et le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Et à ce moment-ci, je vous laisse le deviner. Donc, Chantal va nous faire une présentation intitulée « La recherche-création à l'université, cadrage socio-historique et enjeux d'un nouveau type de recherche ». Chantal. Alors, merci, c'est un plaisir d'être ici. Moi, je vous propose une présentation en deux temps. Une présentation en français, mais vous allez voir par bout des citations en anglais. Donc, je vais faire ce qu'on appelle au Québec du franglais. Donc, ce sera, avec un accent local, ce sera assez exotique. Une présentation en deux temps, d'abord pour cadrer un petit peu dans quel contexte s'est développée la recherche-création au Québec, de quoi on parle. Et ça serait trop exhaustif là, d'y aller de façon chronologique, mais de faire qu'un saut dans le temps. Donc, je vais m'attarder à l'étape d'insertion des arts à l'université. Puis ensuite, dans un deuxième temps, regarder quels impacts ça a, quels enjeux soulève ce type de recherche-là au sein de l'université. L'exercice de cadrage historique se fait un petit peu partout en ce moment dans le monde. Après une vingtaine ou trentaine d'années d'existence, dépendamment des pays, on commence à se questionner sur qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, cette recherche-création-là. Et l'historique nous permet un peu de mieux comprendre la vision de l'art, la vision de la recherche qui a été tranquillement accolée à la notion de création et donc nous nourrit dans notre compréhension de cette forme de recherche-là. Au Québec, on en connaît peu sur les mécanismes d'insertion de la recherche-création. On connaît l'enseignement de l'histoire des arts, mais on en connaît peu sur cette appellation-là, ou en tout cas, ça commence à se faire, c'est en chantier. Donc, je vais m'attarder surtout aux années 60, mais pour dire rapidement qu'avant les années 60, au Québec, c'était un enseignement de type beaux-arts, un modèle importé de France, donc avec un apprentissage des savoirs techniques, une relation pédagogique maître-élève, et qu'on va passer plutôt aux années 60, qui sont une véritable charnière au Québec, avec une multitude de changements sociaux et politiques, des transformations sociales importantes, dont notamment la prise en charge de l'éducation par l'État. Donc, l'État qui va donc s'intéresser aussi à l'éducation historique,
Il y aura un mouvement, des mouvements sociaux très importants, notamment les étudiants des différentes écoles d'art qui vont revendiquer une nouvelle formation qui va de pair aussi avec la création d'un réseau d'universités publiques, un réseau d'enseignement public. Et là, il y aura aussi d'autres événements là, qui concourent de cette période-là, professionnalisation des artistes ou la création d'institutions culturelles. Que revendiquent les étudiants dans les années 60? Qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est qu'on veut une formation qui lie un esprit critique, un esprit créateur et une formation intellectuelle. Donc, on peut peut-être voir pointer déjà là un changement de paradigme important qui va être de lier, d'alimenter l'art à une problématique intellectuelle. Renouveler les pratiques pédagogiques, proposer une polyvalence pour les artistes et insérer toute cette réflexion-là de façon plus large dans l'art et sa fonction sociale. Il y aura donc une vaste commission d'enquête qui va être née au Québec. Je vous fais fi des détails, là, mais la principale recommandation, intégrer les écoles d'art à l'université. On en arrive donc avec un cas, celui de l'École des beaux-arts de Montréal et l'UQAM, l'université ici aujourd'hui. Donc, ce cas-là, je vous le prends, vous allez voir un peu pourquoi. Donc, l'école est intégrée, l'École des beaux-arts à l'UQAM en 69, et il y aura, dès le départ, en regardant les archives des documents, des conflits au sein des modules, des conflits entre une vision entre didacticiens, théoriciens, artistes, des conflits entourant la fonction de l'art, mais plus largement la fonction, comment voir l'enseignement des arts. Et donc, il y aura une certaine résistance dès l'entrée de jeu de l'art à l'université, une certaine réticence à l'académisation des arts à l'université. C'est de façon plus large la place des arts au sein de l'université qui est questionnée, ce que ailleurs, Borghoff, par exemple, reprenant les idées de Kant, a nommé « the conflict of faculties », c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait des « lower faculties » au sein de l'université. Donc, comment va tranquillement se développer la place des modules artistiques au sein de l'université et des rôles professionnels qui sont assez complexes pour le professeur. Est-ce que c'est le chercheur, l'artiste qui est mis de l'avant? Donc, ce sera aussi un enjeu important. On peut retrouver dans certains documents officiels les premières mentions de la recherche en art, notamment dans les conventions collectives des professeurs, dans les projets de maîtrise au deuxième cycle, à partir des années 70, on commence à parler de recherche. Et il y aura même une proposition de créer un centre de recherche et de création en art dès les années 70, dont les objectifs vont être de définir les conditions de la recherche en art et d'élaborer des projets. Donc, on voit qu'il y a déjà une volonté. Par contre, on verra dans les opinions que ce n'est pas encore gagné, cette idée-là de recherche en art. Si on prend un exemple dans les conventions collectives, qu'est-ce que ça inclut maintenant faire de la recherche? L'arrivée des arts à l'université a en quelque sorte forcé à revisiter cette définition-là. On y inclut maintenant la poursuite de travaux sous diverses formes de façon à contribuer à l'avancement des arts, des lettres et des sciences. Et on inclut des outputs qui sont maintenant de nature artistique, c'est-à-dire la production d'œuvres littéraires et artistiques et la tenue d'expositions d'œuvres, chose qu'il n'avait pas avant. Cette reconnaissance-là, dans certains documents, ne veut pas dire qu'elle est effective, c'est-à-dire qu'elle est bien vécue au sein de l'institution. À preuve, je vous donne un témoignage d'une professeure d'art visuel qui disait ceci à propos de la recherche scientifique et du cadre universitaire. À tout prix, les universités veulent nous faire faire de la recherche sur le modèle scientifique. Ce n'est pas ça notre processus. La création en soi est de la recherche. Qu'on l'accepte comme ça et qu'on n'essaie pas de nous faire entrer dans des modèles et des méthodes de recherche scientifique. Un peu de misère avec ta souris. Ah ouais, ok, non, c'est pas ok. Merci. Autre citation de professeur, on parle clairement d'output de la recherche. Donc, qu'est-ce que c'est des objets de création de la recherche et comment c'est reçu dans l'université?
Donc, un des professeurs dit ceci, « Les créateurs auront aussi quelques difficultés à faire valoir leur travail d'artiste en tant qu'objet de recherche, puisqu'ils ne répondent pas aux critères de la recherche scientifique et que les objets créés seront très souvent considérés comme des objets de commerce. » Le cas de l'insertion de l'École des beaux-arts de Montréal et de l'UQAM nous montre quoi? Nous montre qu'il y a des rapports dialogiques dès l'insertion des arts à l'université. Des tensions qui vont perdurer encore aujourd'hui entre un modèle de la science et des nouvelles pratiques que suppose la recherche en art, entre création pure et pratique de recherche. Mais il faut retenir qu'il y a une volonté de recherche, mais qu'on a de recherche-création, mais on ne s'entend pas sur ce que c'est. On va passer au tournant, je fais un saut dans le temps. Au tournant des années 90-2000, il y aura la création de programmes de deuxième, troisième cycle au Québec. Et on va amener vraiment le développement d'une communauté de chercheurs et d'une littérature sur cette question-là. Est-ce que la recherche-création peut être considérée comme un concept parapluie? Je réfère entre autres à Barron et Eisner en éducation artistique qui ont utilisé cette notion-là, « umbrella concept » pour parler des « art-based research ». Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y aurait pas simplement une seule façon de faire pour réaliser la recherche, mais qu'on va utiliser ce terme-là pour définir plutôt un genre. À la création des programmes au cycle supérieur au Québec, il y a eu beaucoup de débats, à savoir si on devait mettre un tiret, un « et », un « ou » entre recherche et création. Est-ce que ces deux activités-là vont de pair? Et donc, il y a eu aussi beaucoup de débats sur les sens accordés aux prépositions. Est-ce qu'on parle de recherche sur la création? En création, à partir de la création. Le troisième cycle, il y a différents programmes de doctorat maintenant qui existent au Québec dans différentes universités, a développé des idées soit de profil, un peu comme on l'a vu avec le modèle français, donc des typologies comme une recherche pure, une recherche-création ou une recherche-intervention, ou encore dans certaines universités, des doctorats sur mesure, qui ouvrent la porte à un décloisonnement des disciplines et à une ouverture à une grande panoplie d'approches méthodologiques. C'est durant cette période-là qu'au Québec, on va avoir le développement d'une littérature sur la question. Là, je vous en mets quelques-uns, des ouvrages qui ont été consacrés beaucoup à la définition de la recherche-création et aux approches méthodologiques qui la sous-tendent. Il va réellement avoir un engouement à partir des années 2000 parce que les fonds subventionnaires et les universitaires vont organiser différents colloques, événements pour réfléchir à cette forme de recherche-là. Mais ce qui complexifie un petit peu la donne au Québec, c'est qu'on a deux modèles de financement de la recherche et de la création parce qu'on utilise l'appellation dans deux secteurs. Le milieu professionnel, avec les conseils des arts, utilise la notion, mais entend par là une recherche qui est de nature plus personnelle, une notion d'expérimentation. Alors que du côté universitaire et des fonds subventionnaires, on est davantage dans des critères très académiques, avec exigence de développement de connaissances, diffusion d'une communauté de pairs, évaluation, innovation. Je terminerai sur ce que ça soulève comme enjeu, la recherche-création, après une vingtaine d'années d'existence au Québec, notamment sur cette idée-là de l'insérer dans une culture de la recherche. En 1994, Gibbons et ses collègues avaient produit un ouvrage qui avait été fortement cité et critiqué, « The New Production of Knowledge », dans lequel ils traduisaient un passage d'un mode 1 de la science à un mode 2. Une science qui se faisait davantage de façon collaborative, intersectorielle, interdisciplinaire. Et donc, est-ce que les initiatives de recherche-création colleraient bien à ce nouveau modèle de la recherche qui est en train de se développer? Steven et Lacasse, qui sont deux chercheurs au Québec en recherche-création en musique, ont davantage soutenu un passage de l'individu au projet. C'est-à-dire que les écrits ont beaucoup théorisé cette espèce de rapport très personnel et de réflexion entre le chercheur et son objet. Est-ce que maintenant, dans les projets qu'on voit, il n'y aurait pas lieu de penser davantage à une dynamique collaborative, puisque le lieu de réalisation de la recherche, c'est davantage le laboratoire, le centre, le studio? Et enfin, un dernier élément que j'aimerais apporter, c'est la recherche-création au sein d'une culture d'évaluation et des marchés de classement. C'est maintenant que dans les universités, on évalue les projets, les chercheurs, les revues, les publications, les centres de recherche. Comment la recherche-création trouve sa place parmi cette culture-là? Il y a, un peu comme on l'a soulevé plus tôt, des mécanismes de diffusion qui sont propres à la recherche-création. Mais il y a encore une prégnance de certains mécanismes d'évaluation et de diffusion traditionnels,
dont une prégnance d'évaluation quantitative, le nombre de revues, des publications de type revues savantes ou conférences. Quelle est donc la place de la recherche-création là-dedans, alors qu'une partie des outputs ne sont pas de nature discursive, mais plutôt de l'image, du son, des vidéos. À titre d'exemple, un exercice d'évaluation nationale en Grande-Bretagne a un panel qui a élargi certains critères, le panel art et design, qui inclut maintenant des outputs de nature non discursive comme des expositions et l'organisation de conférences. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu aussi, si cette recherche-là est évaluée de façon plus qualitative, d'élargir la notion d'évaluation par les pairs? Qui sont ces pairs lorsqu'on parle de recherche-création? Est-ce qu'il y aurait lieu d'inclure des utilisateurs, des gens du milieu professionnel? Est-ce que c'est le cas sur les panels qui vont évaluer les projets? Et il existe maintenant une panoplie de nouveaux médias qui peuvent soutenir la diffusion de la recherche-création. Est-ce que ces médias-là seront pris en compte dans les différents index et les différents exercices d'évaluation bibliométrique? Je terminerai sur la notion de champ émergent. J'ai commencé ma présentation en parlant d'un type de recherche, mais pour certains, la recherche-création est une méthodologie, pour d'autres, c'est un nouveau paradigme, et pour certains, c'est un champ émergent. Je reprends ici les propos d'Annette Arlenda qui parlait de la situation de la recherche-création dans les pays scandinaves et qui disait ceci: Today we can claim that artistic research is an acknowledged field of research and knowledge production rather than a specific methodology. Est-ce que c'est le cas au Québec? Est-ce qu'on en est arrivé là? On peut se poser la question. Et si oui, qu'est-ce qui permettrait de consolider le champ de recherche et qu'est-ce qui permettrait aussi de valoriser cette forme de recherche-là au sein de l'institution? La consolidation de la littérature avec des exemples de cas ou d'une masse critique serait intéressante, parce qu'on a aussi fait beaucoup la réflexion d'un point de vue théorique. Une meilleure connaissance par des études de terrain auprès de chercheurs créateurs pourrait nous permettre aussi de consolider le champ. Meilleure connaissance des modes de diffusion, des mécanismes de présentation et de son évaluation. Et le cadrage historique, évidemment, c'était qu'un survol et un exemple. Il faudrait sonder le milieu artistique professionnel parce que souvent, leurs innovations vont avoir des impacts et des changements sur l'institution. Donc, sonder les acteurs et regarder du côté aussi de l'évolution de la terminologie seraient des pistes prometteuses. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment, félicitations pour avoir mis autant d'informations en si peu de temps et pour la clarté de la présentation. Donc, je voulais te féliciter. Maintenant, comme j'ai vu que les autres modérateurs avaient fait le truc de poser quelques questions, je vais faire un peu la même chose, si vous me le permettez. Et après, je vais prendre quelques questions de la salle. Et donc, à la première présentatrice, j'avais une question que je lui ai déjà glissée un peu avant la présentation pour ne pas la prendre au dépourvu. D'abord, je voulais souligner que, au départ, quand j'ai vu les trois présentations, j'ai dit pourquoi une qui est en recherche et deux autres qui est clairement en recherche-création. Et puis, au fur et à mesure de la lecture, je me suis dit, tiens, je vais transformer ça en question en disant, quelle est la place de la création dans votre, j'oserais appeler un nouveau paradigme de faire l'histoire de l'art? Of course. Is this on? Can you hear me? What is the place of research creation in my new paradigm? I see Synartesis as, at root, an extremely creative endeavor that perhaps reinscribes a sense of creativity to the making, the writing, the thinking of history that I see many of my students longing for. And I'm in a very special institution now in the sense that I'm teaching, to a large extent, artists, and the only other degrees that Cooper Union offers are engineering and architecture. So those are all three very creative, intersecting fields of knowledge and production. So, but I saw it even earlier when I was at places like Rutgers with non-majors, where they feel like this hegemonic discourse that they're being taught, these series of isms and names and dates that they have to memorize, that there's no place for them in it. So I guess Synartesis, I see
as a place of research creation in this kind of amazing hyphenated hybrid form, we don't have this term, or I haven't heard it thrown around in my discipline in art history in America. So I was taking notes furiously because this is an interesting discourse that I'm definitely going to think about and look into more. Does that answer enough? Bien sûr, bien sûr. Et c'était vraiment la réponse que je souhaitais entendre. Pour moi, quand vous présentiez comment on fait pour rapprocher des choses qui ne vont pas ensemble, j'avais l'impression de lire un manuel sur la créativité. Prendre le familier, le rendre insolite, prendre l'insolite, le rendre familier, simplement pour susciter des choses. Et puis je voyais cette démarche-là comme étant très créative. Donc, voilà. Une autre question, c'est à propos de l'histoire. Vous avez fait une charge sur l'approche historique et j'en suis. Maintenant, j'ai l'impression, peut-être que certains vont partager cette impression, que l'histoire ne peut faire l'économie du récit. Donc, si on est dans l'histoire, ne peut faire l'économie du récit malgré ce que vous avez pu dire. Maintenant, qu'en est-il du récit? Quand on bouleverse les relations, quand on cherche à faire de nouvelles relations, quel est l'impact sur la forme du récit historique? It's a little bit tough as she's translating it. I'm trying to get it. What effect does it have on the historical narrative? Honestly, it does away with narrativity. It does away with, as I began, the kind of story-like aspect, perhaps to create new stories, but not in the sense that I see so much of it needing to be a kind of linear progressive narrative. Instead, whatever linearity it has, it collapses, it folds. So I've thought about this in a lot of different ways, and my students, you know, bring so many ideas to this. They've asked questions like, well, could we teach the survey of art history from the Renaissance to the present going backwards? Could we start with contemporary and move backwards? And even when I try to think that out in my mind, when I try to think, okay, postmodernism, conceptualism, pop art, it's so hard to redo it to go backwards in your brain. But I wonder what might be produced by altering our stories, creating new stories, or doing away with the sense that it has to have a kind of rise and fall, that it has to take this narrative form. Oui, très bien. Maintenant, je trouvais un parallèle vraiment avec certains films de maintenant. Donc, la façon, le new storytelling, donc, qui influence beaucoup en cinéma, en télévision, etc. Mais on le retrouve maintenant en histoire. Enfin, c'était la réponse que j'imaginais à ma propre question. Et, que movies vous avez like Memento, where people lose their memory, it goes back to aphasia, and things. Jarmusch, that, yeah, exactly. There's an interest in society in undoing these kinds of ways of thinking. Mm-hmm. Et un dernier petit truc, mais là, ça aurait fait peut-être sursauter mon professeur de grec ancien. Sun n'est pas nécessairement la racine que vous avez. Donc, peut-être qu'il y aurait intérêt, parce qu'il y a vraiment à travailler dans cette expression sur l'étymologie, qui est une forgerie contemporaine, pour retrouver, parce qu'on retrouve le sun dans syntaxe, etc. Donc, j'arrête ici mon cours d'histoire terminologique, mais il y aurait peut-être du travail à faire de ce côté-là. Indeed. Merci beaucoup. Maintenant, pour la présentatrice, la deuxième présentatrice, j'aurai peut-être moins de questions parce que le domaine est plus familier peut-être pour moi. J'en avais au moins une, en fait deux. Qu'en est-il de l'écriture? Vous avez parlé de la portion artefact, vous avez parlé de la portion discursive qu'on devait produire. Vous avez peut-être un peu évoqué la table des matières. Maintenant, qu'en est-il de l'écriture elle-même qui est attendue dans la partie discursive d'une thèse en recherche-création? À mon sens, le texte englobe une grande partie de description, mais cette description doit être problématisée. Et cette description a pour objet de rendre compte en quoi les formes produites répondent à la problématique. Bien entendu, il y a aussi tout le travail théorique qui est là pour lui-même et qui vient étayer et participer à la construction des formes qui vont être produites. Donc c'est sans cesse des allers-retours et l'ensemble de tout ça va être présent à l'intérieur de la thèse. Merci. Simplement pour préciser, ici j'entendais écriture vraiment comme forme d'écriture. De plus en plus, enfin chez nous, les personnes qui sont
j'allais dire les étudiants, mais les personnes engagées dans des thèses, recherche, création, pour beaucoup, sont attirées dans les écritures sensibles, les écritures senties, la limite poétique, donc tout ce courant d'écriture. Donc, je me demandais chez vous si l'écriture du discursif est transpercée ou traversée par la créativité également, ou sinon, il y a la créativité d'un côté, puis de l'autre côté, on prend le chapeau de la logique hypothético-discursive, etc., etc. J'ai eu l'occasion de feuilleter des thèses assez anciennes d'art plastique du département art plastique de l'Université Paris 1, qui sont extrêmement biographiques, où il va y avoir effectivement une forme d'écriture très particulière, très centrée sur du ressenti personnel, ou aller trouver des causes d'origine biographique dans les choses qui sont poursuivies dans les recherches plastiques, etc. Je ne suis pas certaine que ça soit la voie la plus intéressante. Je pense que ce qui se passe en écriture, ça, peut-être que ça rejoint plus le domaine littéraire que le domaine des arts plastiques. Voilà. Merci. J'avais une toute petite dernière question, mais celle-là, elle m'est personnelle. Je m'excuse de la poser devant tout le monde. Vous avez parlé d'une position phénoménologique. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Est-ce que c'est une phénoménologie à la Husserl? Ou pourriez-vous préciser plus précisément de quel type de phéno vous entendiez? Alors, je vais faire une réponse biographique, en contre-exemple de ce que je viens de dire. Au départ, je suis plasticienne. J'ai fait une thèse en art plastique. Donc, forcément, ce jeu de battement entre être en train de faire la chose, prendre une distance, aller chercher de la nourriture théorique, conceptuelle, retourner dans les choses, faire des allers-retours en permanence, avec de plus en plus de distance qui peut être prise jusqu'à, justement, la rédaction du volume de la thèse elle-même. Puis, à la suite de la soutenance, le travail que j'assume à l'ENSAD, donc je suis chargée de la valorisation de la recherche, et de là, j'accompagne les autres doctorants aussi. Et je regarde comment eux, ils fonctionnent. Donc, plus ça va, et plus je commence à avoir un champ de vision plus grand, plus général. Donc, ce battement-là, en fait, c'est ça que je voulais dire par cette position phénoménologique. C'est cette chose d'être à la fois dedans et dehors, et de faire des allers-retours en permanence. Et il me semble que ça, c'est présent. C'est présent à l'intérieur, c'est la posture qu'il faut adopter pour réussir à faire une thèse en art plastique. Mais plus le battement va être grand, et mieux on va pouvoir comprendre et peut-être accompagner les personnes qui sont autour. Merci beaucoup. Dans ce cas-ci, je n'avais pas d'hypothèse de réponse. Donc, ça répond très bien. Pour la dernière présentatrice, je n'aurai qu'une seule question, parce qu'effectivement, tu as vraiment très, très bien repris le chemin. Question-suggestion, puis après ça, la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, l'idée, c'est de dire, en même temps que les arts plastiques sont entrés à l'université, les beaux-arts sont entrés à l'université avec tout ce que ça a causé, il y a eu des transformations dans l'art, c'est-à-dire que l'art est devenu médiatique, il ne l'était pas au début, et tout à coup, ça touchait d'autres endroits dans l'université de façon la même chose. L'art est devenu de l'artivisme, même si on pourrait dire qu'il était avant, mais il était pratiqué à l'intérieur des institutions. Donc, à ce moment-là, ça touche l'école de Francfort, d'autres personnes en revendication. Et je pense aux infiltrations, je pense à toutes les pratiques qui sont même anti-art. Donc, à mon sens, si on veut faire l'histoire de l'intégration dans l'université, je pense qu'on devrait tenir compte, je demande ton avis, est-ce qu'on devrait aussi tenir compte de l'évolution et de la transformation des pratiques, l'art relationnel où il n'y a plus d'artefacts, bon, etc., etc., etc. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Tout à fait. En fait, c'est l'objet de deux thèses, mais je vais en choisir une. L'historique, quand je parlais d'un cadrage, c'est vraiment se saucer le pied pour bien comprendre c'est quoi, mais effectivement, il faudrait tenir compte des pratiques professionnelles qui ont influencé du terrain toute cette académisation des arts-là. Et ça, c'est un chantier en soi que je n'affronterai pas parce que ce n'est pas l'objet de ma thèse. Moi, je vais plus aller du côté des enjeux dans un deuxième temps avec des études terrain auprès de chercheurs créateurs pour voir ce qu'il y en est maintenant. Donc, mais effectivement, c'est un chantier qui est très intéressant d'entreprendre. C'est sûr que tout le monde sait que la meilleure thèse, c'est une thèse déposée. Donc, je vais abonder dans ton sens et puis prendre cette question-là pour d'autres travaux éventuellement. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre quelques questions, si vous voulez bien, de la salle. OK.
froid, ça va me faire bouger avant de manger. Merci. This is a question for Chantel, and it might be something that was mixed up in the translation, I don't know, but this term consolidation of the field, I wondered if you could talk a little bit more about, is this a kind of disciplinary development, and what happens with interdisciplinary and intersectional studies if the field becomes consolidated? Is it really kind of an urgent thing or an inevitable thing? And how does that fit with interdisciplinarity? I was using the term emerging field, but I'm not sure it is quite the case in Quebec. So it's some of the researchers in Quebec talk about research creation as a discipline. And it depends. It's so many practices that can use this this term, so it's very complex. And I'm not sure I can use it as a discipline. But for sure, the program in Quebec has a majority and interdisciplinary perspective on it. And it's another question to address. It's another issue how to, comment dire, départager chaque apport disciplinaire en recherche-création. C'est très complexe, mais on the program were built that way, in a very interdisciplinary perspective. Yeah. Merci. A question, thank you very much. A question for Alison. First of all, thank you. I would have loved to have courses of history of art like this. I'm glad to hear. But there are a few questions. First of all, maybe a couple of references that could be useful for you. I don't know if you're familiar with the work of João Queiroz. It's a Brazilian semioticist who applies Peirce's concept of semiosis about intersemiotic translation between the arts. He's very good. He's mainly wrote on Brazilian Portuguese, so I don't know if you're familiar with it, but he has some bits and pieces in English that you can have. Great, thank you. You're welcome. And second one is also the non-linear history, because you seem to apply something that jumps in history and create resonance between pieces. So I wonder if you apply what for me, in history of historiography, seems to be the newest thing, the most interesting and newest paradigm after L'École des Annales by Jacques Le Goff, a kind of historiography which is non-linear. He expressed in this book called 1,000 Years of Non-Linear History, which is great, Manuel de Landa. Yeah, I do know it. And maybe another one that seems to be that leads me to the real question, which is an example that Claude Lévi-Strauss does when he's on the boat on his trip to Brazil in his book Triste Tropique. He sees a guy who's a friend of Lenin. We're in 1935. And he says, it's very strange because this guy moves and talks like une vieille fille à principe. I don't know how to translate this in English. An old woman that has never married someone. How do you call this? An old maid. Well, an old maid. Yes, that's what he says. He says this man looks like an old maid that said no to marriage for principle questions, and he says that's interesting because this guy has his blood on his hands and is a Russian revolutionary friend of Lenin and collaborator of Lenin. But he reminded me of people I've seen afterwards, which are Buddhist monks in Birmania. So he says, sociology shouldn't study doctors and doctors, lawyers and lawyers in different cultures, but should study how a body attitude and a psychological attitude actualizes in a certain culture as a Russian revolutionary and in another culture as a Buddhist monk. So, hence the question, because you seem to... Let me make one comment. It's interesting, yes. In teaching in class just this week, because I'm teaching Synartesis again, I have a young transgendered male student, and he
is in love with Van Gogh and did a project for me where he went to look at a Van Gogh for 3 hours, which was the assignment, to sit there and look at one work of art. And he kept seeing all of these, for lack of a better way of to put it, these frat guys, these really intense, like football-loving American jocks, who also were in love with this painting. And he asked the question, what do I have in common with these guys? And I said, oh, paper topic, that's it, work on that. What do we have in common that across such broad swaths of humanity, art does something to bring us together in the present and the past? It well, reminded me of that. A lead for these people would be the Daniel Stern book, The Interpersonal, Le Monde Interpersonnel du Nourrisson. We have to talk afterwards, obviously. Okay, I need all these sources. But the question is, how do you, in your courses, I use this bibliographic example in order to formulate the question, which is, how do you create relationship, pedagogical relationship in your courses? Because what you seem, the examples you gave is example where you put together some graphical resemblance on artworks or communication works that looks alike, but graphical resemblance is not always artistic and aesthetic relevance of the relationship. Yeah, I know what you're saying. So I'm trying to get at that. I think the first permutation this can take, and perhaps the most common and the one that already exists the most, is this formal resonance thing. That, to a certain extent, is allowed. So I want to see if we can go beyond that, where sometimes there are formal resonances, but then also kind of deep-level thematic materials, meta-comparative behaviors that artworks have. The way I structure it in teaching, because I don't want this to just be a free-for-all. I mean, I don't want them to do these sort of wild personal interpretations that have nothing to contribute to the body of knowledge on specific works of art. The simple way I've dealt with it so far, and maybe others will have better ideas, I welcome being contacted, is to make them always ground it in some sort of either history or theory. So if they want to talk to me, like the analysis between Men's Fitness magazine and homosocial relations in David's late works, they have to talk to me about homosociality as something that's thematic, that sociologists study, that anthropologists study. And the same would be true of others. If they want to use suture theory to talk wildly across intermedial comparisons, then they need to read Kaja Silverman and Stephen Heath on suture theory and film. And the same would be true of Freud. So if you want to work on the uncanny, you need to read Freud and Lacan for me and synthesize those through that. But maybe there are better ways. This is still very new for me. So I appreciate the question. Une dernière question. Oui, bonjour. C'est plus une. Je voudrais faire part d'une expérience qui pourrait être commentée, je pense, par les trois intervenantes. C'est simplement dans le cadre de mes recherches, je travaille sur la religion dans les arts vidéo et numériques. Et en fait, dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'occasion de rencontrer bien sûr des artistes. Et en fait, ils m'ont fait part de leur regret, je dirais, pas de leur consternation, mais de leur regret de voir encore une grosse scission entre l'histoire de l'art et la création. J'entends par là que j'ai rencontré des artistes programmeurs. On parle d'art programmé. Et pour eux, ils ne sont pas pris au sérieux par les historiens de l'art. Et donc, moi, en tant qu'étudiante d'histoire de l'art, j'ai été amenée à leur poser plusieurs questions. Et je souhaite simplement vous faire part d'une expérience avec un artiste qui s'appelle Antoine Schmitt. On l'appelle artiste programmeur. Et parmi ses créations, la plupart, ce sont des créations autour de pixels, enfin des choses plutôt abstraites. Mais il y en a une qui s'appelle le Christ mourant. C'est la représentation d'un Christ. Et c'est la seule œuvre figurative de son corpus. Et je lui ai demandé simplement pourquoi il avait travaillé sur ce thème. Il dit pour être pris au sérieux, pour rentrer dans l'histoire de l'art. Donc voilà, je voulais simplement faire part de cette expérience pour montrer qu'il y a, en tout cas, peut-être en France, encore une belle scission entre histoire de l'art et la création artistique. Alors, je crois que la césure, elle n'est pas tant entre l'histoire de l'art et les arts plastiques ou la recherche-création. Je pense que c'est une autre forme de ghettoisation qui est plutôt liée aux arts numériques, en fait. Et c'est plus une question de médium que de positionnement disciplinaire, en fait, je pense.
le marché de l'art s'empare difficilement des formes d'art qui font appel à des technologies numériques comme médium principal, ou alors il faut que ça soit plutôt masqué, plutôt caché, etc. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais des artistes tels qu'Antoine Schmidt, justement, qui est vraiment, comme vous l'avez dit, un artiste codeur, où le numérique, du coup, la matière numérique est sa matière vraiment de départ, et non pas juste un moyen comme un autre pour produire des formes, mais c'est vraiment là qu'est son matériau. Là, il est à un endroit particulier, et je crois que ce n'est pas exactement le débat de cette table ronde, en fait. Que c'est plus une question, oui, voilà. Comment est-ce que les arts numériques sont reconnus ou non par le marché, par les institutions. Il y avait quand même une belle scission. Enfin, dans son discours, en tout cas, on sentait cette scission entre histoire de l'art, enfin, sa place en histoire de l'art. Merci. Mon autorité de modérateur est contestée ici, mais c'est avec plaisir que je vais quand même donner la parole à mon collègue Chris Salter. So thank you all for the panel. One of the interesting things that comes up about this discussion of research and creation is the legitimation of knowledge, certain kinds of knowledge practices over others. So what's interesting is I see endlessly this dichotomy between the idea that material production is intuitive and somehow anti-intellectual, and that writing is some kind of distance, objective, representational form of knowledge making. And what I think it's important to understand is this: these are debates that have, of course, been going in other disciplines for many, many years. Go back and look at the history of anthropology in the last 50 years of dealing with the same question of the ethnographic authority from Clifford's arguments about writing culture. And it's also interesting to then look at how artists have written about their work and interrogated their work that may or may have not been in the academy. So, for instance, structural filmmakers like Hollis Frampton and Paul Sheritz, the 1970s, were at the study, the SUNY Buffalo Media Studies Program, wrote many, many articles about the question of curriculum in training artists. And they invoke structural filmmaking, they invoke semiotics, they invoke structural linguistics. They already were steeped in those kind of knowledge paradigms of their time, even though they were very aware that the material practices that they were involved in were taking those ideas and bringing them into another form. So I think it's always very important in these discussions to think that the question of writing is not this kind of scientific, pseudo-scientific understanding we have that's objective and distant, that in fact, writing is itself a creative practice, even within an academic form. Can I make a comment following off of that? I understand and agree, absolutely, but art history still so much, even though we're talking about it much more openly, wants badly to be scientific, wants badly to be empirical and objective. And what I'm calling for in Synartesis is an opening of a space, a category, a vein, where the subjective would be relevant. And art history can stop being so apologetic for being not as scientific as it's wanted to be for 100 plus years. Yeah, it's very interesting because, again, this term objective keeps coming up. In the social studies of science, the sociology of science, this has been critiqued for the last 40 years, objective, that there is some kind of clear scientific method. And everybody knows that if the scientists didn't actually have a material practice, there would be no writing at the end. You know, so this is interesting, again, to pick up from other disciplines these discussions and to say, well, they've been having these discussions, why are we so behind in that? Merci beaucoup. Je vous demanderai de joindre à moi pour applaudir les participants. Merci, Louis-Claude. So we are quite late on the schedule, as you know.